représente Pailin, une éléphante de 71 ans qui vit en Thaïlande. Sa photo a fait le tour du monde et suscité beaucoup d'émotions. Cette éléphante a le dos complètement détruit. Pendant 25 ans, elle a été une véritable attraction touristique. Elle a transporté des touristes, parfois jusqu'à 6 touristes en même temps sur son dos. Et aujourd'hui, sa colonne vertébrale est complètement déplacée. Elle est dans un refuge depuis 2007, mais les dégâts sont irréversibles. C'est le refuge dans lequel vit cette éléphante. C'est une ONG thaïlandaise qui a décidé de partager sa photo. L'objectif, c'est d'attirer l'attention sur les mauvais traitements dont sont victimes les éléphants dans plusieurs pays asiatiques, notamment en Thaïlande, où les éléphants sont considérés comme de véritables attractions touristiques. D'ailleurs, pour être rendus dociles, ils sont souvent maltraités, torturés, enchaînés. Un rapport de 2017 réalisé par le World Animal Protection dénonce l'absence de régulation pour les droits des animaux dans plusieurs pays asiatiques. Il indique que les trois quarts des éléphants subissent des conditions mauvaises, voire inacceptables. Bref, vous avez compris, hein, le cas de Pailin, malheureusement, n'est pas un cas isolé, surtout en ce moment, parce qu'il y a un regain de tourisme en Thaïlande. Depuis que la pandémie du coronavirus a été endiguée, les touristes reviennent en Asie. Et donc, c'est important de montrer que la maltraitance animale, c'est aussi ça, c'est aussi monter à dos d'éléphant.